Je suis Yann Allégo, Change Manager chez Schneider Electric et je fais partie de la première promo Change Management. Il se trouve que Schneider Electric a lancé l'année dernière un premier pilote pour préparer les deuxièmes parties de carrière de ce qu'on appelle en fait les salariés expérimentés, pour ne pas parler de seniors. Et étant jeune expérimenté, on m'a proposé de faire partie du pilote. Et du coup, je me suis mis donc à réfléchir sur mon parcours, qui est à la fois un parcours où j'ai eu des postes en finance, qui est ma formation d'origine, et aussi en RH. Et dans tous ces postes-là, j'ai eu souvent à accompagner en fait des changements, à accompagner des formations, à faire de la communication. Et du coup, de toute cette étude est ressorti que le change management pouvait être un sujet intéressant. En plus, c'est un vrai sujet d'avenir pour moi. Et donc, quand j'ai regardé les formations qui existaient, je suis tombé sur cette formation donc, de Polytechnique Exécutive. Et ensuite, j'ai vu que c'était la première promo. Et j'ai trouvé ça doublement intéressant par rapport à ce que je viens de dire, en disant c'est vraiment d'actualité, et deux, parce que ça me plaisait de faire partie d'une première promo et de l'aventure d'une première promo. Je dirais échange, studieux et humain. Alors échange, pourquoi? Parce que ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans cette formation, c'est déjà la promo en elle-même. On avait une grande diversité d'âge, d'expérience et du coup, on a eu des échanges très riches, déjà entre nous. Et ensuite, la façon dont la formation est conçue entre l'alternance des côtés un peu plus théoriques et tout le côté pratique de tous les intervenants, ça a été extrêmement riche en échanges. Donc vraiment, le premier mot qui ressort pour moi, c'est l'échange. Le deuxième, c'est studieux, parce qu'en fait, on a beaucoup travaillé, ou du moins, j'ai beaucoup travaillé, à la fois au cours des modules, après les modules, et puis aussi parce qu'on a eu quand même une note réflexive à écrire, et puis il y a eu l'examen. Et le dernier qui est humain, parce qu'en fait, c'est beaucoup ressorti dans la formation, l'accompagnement du changement, c'est l'humain pour moi. Et c'était vraiment très présent à tout point de vue, et dans les deux éléments que je viens de citer. Donc véritablement, c'est un point extrêmement important pour moi. Sur les impacts, ils ont été immédiats. J'ai eu énormément de chance parce qu'en fait, on a passé donc l'examen en mars et il se trouve que dans le même temps, démarrait un projet qui est une intégration en fait d'une de nos filiales qui était encore indépendante et qu'on intègre complètement dans notre organisation en fait. Et je suis arrivé là au bon moment et comme on commence aussi à comprendre, je dirais de manière générale, que le change pour accompagner des projets est absolument essentiel, ben du coup j'ai été recruté pour être le change manager sur ce projet, qui a vraiment embrayé tout de suite. Donc j'y suis à plein, ça me permet en effet de mettre en pratique ce que j'ai pu voir, ça fait ressortir à nouveau l'élément que j'ai développé, l'humain, c'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé au début sur tout ce qui était le pourquoi de ce changement-là, et pas seulement d'aller dire on intègre une filiale, mais pourquoi on le fait, et c'est d'abord pour nos clients, c'était important de le rappeler. Donc ça, c'était un élément extrêmement important pour moi. Et puis ensuite aussi, ça montre qu'il faut faire preuve d'agilité, parce qu'en effet, on a vu beaucoup, on a une vraie boîte à outils, et dedans, on va piocher les outils qui peuvent être utiles, et on ajuste en fonction des besoins. Qui a fait-il tout ce que j'ai vraiment aimé finalement, c'était l'examen. Parce que c'était une espèce de cure de jouvence finalement de faire cet examen-là. C'était quelque chose, j'avais l'impression de revenir un peu en arrière et finalement dans un monde nouveau, parce que c'est la première fois que je passais un examen, pas sur une feuille écrite, mais finalement sur du digital. Que du coup, il y avait le stress de l'examen, mais c'était une façon aussi de se mettre dans ce que je vis finalement tous les jours aujourd'hui. Et l'autre point intéressant de l'examen, c'est que du coup, on a fait le vide pendant 3 heures et qu'en fait, dans notre monde moderne aujourd'hui, on s'arrête rarement pendant 3 heures en se concentrant sur un sujet. Et de ce côté-là, même si c'était un examen, ça avait un côté très vivifiant, je dirais, très nouveau, très agréable finalement. Donc voilà.